ça, je peux te le jurer. Si un jour tu partais, partais et me quittais pour toujours, c'est sûr que j'en mourrais d'amour. Mon amour, mon amour. J'ai 11 ans. Mon frère me vend une cassette d'Edith Piaf. Ma mère déteste Edith Piaf. Elle la trouve vulgaire, obscène. La cassette d'Edith Piaf m'a coûté très cher. La première chanson que j'entends, c'est « Elle fréquentait la rue Pigalle ». Je ne sais absolument pas ce que c'est une fille de joie à 10 ans. Mais j'entends. J'entends quelque chose. J'entends que le désir est âpre et mystérieux. J'entends qu'il ne mène pas à l'amour. J'entends qu'il est dangereux, menaçant. J'entends, et c'est la voix de Piaf qui me le fait entendre, plus que le texte de Raymond Asseau, combien domination et soumission se conjuguent. J'entends qu'il n'y a pas d'issue au désir. J'entends que toute émotion, même ignorée, inconnue, peut se révéler dans un champ que je découvre infini. J'écoute mon légionnaire. J'entends la même menace. J'entends la menace de la mort. J'entends la menace que j'ai subie. J'entends que le désir mène à la mort. La voix de Piaf m'atteint directement dans le bas-ventre. Je ne sais pas reconnaître que c'est une pulsion sexuelle. Ce n'est pas des sentiments que Piaf me fait éprouver, mais bel et bien des sensations qui me permettent de comprendre ce que je ne comprends pas toujours des mots qu'elle emploie. Alors aimer, c'est ça? Un désir qui ne conduit qu'à la mort? Aimer, c'est quoi? Me demande Edith. La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bar du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste, et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux, et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau, par le bas, par le haut, elle a envie de chanter, c'est physique. Tout son être est tendu, son souffle est suspendu, c'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est triste, au coin de la rue là-bas, son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. La java, qu'elle fredonne tout bas, elle revoit son accordéoniste, et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux, et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau, par le bas, par le haut, elle a envie de danser, c'est physique. Tout son être est tendu, son souffle est suspendu, c'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est seule, au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu, tous ses beaux rêves, sa vie, elle est foutue. Pourtant, ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit.
la Java. Elle entend la Java. Elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau, par le bas, par le haut. Elle a envie de gueuler ses physiques. Alors pour oublier, elle s'est mise à tourner, à danser au son de la musique. Décide d'en pousser une. Son public est là, dans la rue. Parmi eux, un homme aux tempes grisonnantes, portant un feutre et des gants de pécari. Tu n'es pas folle? Tu vas te casser la voix. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Il faut bien que je mange. Bien sûr, mon petit, mais avec la voix que tu as, pourquoi ne chantes-tu pas dans un cabaret? Parce que je n'ai pas de contrat. Si vous en avez un à m'offrir, et si je te prenais au mot? Essayez toujours, vous verrez bien. Je dirige le cabaret Le Jerniz. Viens me voir lundi, on verra ce qu'on peut faire. Louis Le Play, 54 rue Pierre Charmon. Je t'attends lundi à 16h et ne sois pas en retard. Les jours et les nuits passent. Edith a rayé de sa mémoire l'homme de la rue Troyon. Elle n'a pas le droit de croire au Père Noël. Le lundi, Edith se réveille à 3h. La bouche épaisse d'avoir trop bu, trop fumé, trop dit de mots d'amour. Tiens, c'est aujourd'hui que je devais voir le monsieur qui m'a demandé de faire du cabaret. À ta place, j'irai, lui dit Momone. On sait jamais. Edith s'habille à la hâte et court prendre le métro. Au Jerniz, Louis Le Play l'attend, le visage fermé. 1 heure de retard, ça promet. J'ai pas de montre. Vas-y, je t'écoute. Montre-nous ce que tu sais faire. Les yeux fermés, le cou rejeté en arrière, Edith enchaîne tout son répertoire. Louis Le Play est bouleversé. C'est bien, c'est très bien. Comment t'appelles-tu? Edith Gassion, monsieur. Mon deuxième nom, c'est Giovanna, mais pour les bals musettes, je m'appelle aussi Tania, Denise Jay, Huguette Elia, ça ne vaut rien. Ce qu'il te faut, c'est un nom qui exhale l'odeur de la rue, de la liberté. Tu es un vrai moineau de Paris. Voyons, comment dit-on un moineau en argot? Un piaf. Parfait. Tu seras la môme piaf. Tu débuteras ici, vendredi, à 4 francs par jour. Je suis né passage de la bonne graine. J'en ai pris de la graine et pour longtemps. Je travaille comme un chien toute la semaine. Je vous jure que le patron, il est content. Mes amis se sont mis en colère. C'est pas bien malin ce que tu fais là. Faut ce qu'il faut, mais toi tu exagères. Tu verras qu'un jour, tu le regretteras. Oh, je m'en fous pas mal. Il peut m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal. J'ai mon dimanche qui est à moi, c'est peut-être banal. Mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. Je m'en fous. Il y a les bords de la Seine. Il y a l'avenue de l'Opéra. Il y a le bois de Vincennes. Oh, quel beau dimanche on a là. Et puis, il y a le bal qui vous file des frissons partout. Il y a les étoiles qui sont plus belles que les bijoux. Il y a les beaux mâles qui vous embrasse dans le cou, le reste après tout, ben je m'en fous. Ce fut par un de ces beaux dimanches que tous deux l'on s'est mis à danser. De grands yeux noirs, de longues mains blanches, alors je me suis laissée embrasser. Mes amis se sont mis en colère. Ce type-là, c'est connu, il a pas de cœur.
c'est un va-nu-pied, un trait de misère qui t'en fera voir de toutes les couleurs. Oh, je m'en fous pas mal. Il peut m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal. J'ai mon amant qui est à moi, c'est peut-être banal. Mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. Je m'en fous. Il y a ses bras qui m'enlacent. Il y a son corps doux et chaud. Il y a sa bouche qui m'embrasse. Oh mon amant, oh ce qu'il est beau. Et puis, il y a le bas. Quand je suis dans ses bras, c'est fou, je me trouverai mal. Quand il me dit, viens, rentrons chez nous, à l'animal. Avec lui, j'irai n'importe où, le reste après tout, ben je m'en fous. J'ai vécu des heures si jolies, quand il me tenait entre ses bras. J'aurais jamais cru que dans la vie, on puisse être heureuse à ce point-là. Mais un jour où tout n'était que rire, un jour de printemps rempli de joie, il s'en est allé sans rien me dire, sans même m'embrasser une dernière fois. M'en fous pas mal. Il peut m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal. J'ai mon passé qui est à moi, c'est peut-être banal. Mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. M'en fous. Les souvenirs qui m'enlacent dansent au fond de mon cœur. Et tous les coins où je passe me rappellent. Je danse et je ferme les yeux. Je crois que c'est encore nous deux. Parfois, j'ai mal. J'ai mon cœur qui frappe à grands coups. Mais ça m'est égal. M'en fous. Donner sa chance. Raymond Asso, le Pygmalion, lui, va fabriquer Piaf en la transformant. Tu te tiens comme une pute. Tu bouffes comme un cochon. Une môme de 6 ans lit mieux que toi. Mets ta main devant ta bouche quand tu bailles. Tu es inculte. Et à part tes discours de bistrot, tu es minable. Il faut que tu t'instruises. Si tu ne sais pas ce que tu chantes, comment veux-tu le faire comprendre aux autres? Regarde, Marie Dubin. Si on lui parle de Baudelaire, elle ne demande pas son numéro de téléphone pour qu'il lui fasse une chanson. Si un homme lui baise la main, elle ne lui envoie pas sur la gueule. Si on lui sert du poisson, elle ne bouffe pas les arêtes ou elle ne les crache pas dans son assiette parce qu'elle ne sait pas quoi en faire. Si on lui présente un ministre, elle ne lui demande pas « Alors, ça marche votre boulot ?» Edith confiera « Avant, je n'avais jamais lu un livre. Je croyais que c'était un truc pour les bourgeois. » Je me vautrais dans la bêtise comme une sale petite bête dans la boue. Je m'y complaisais. Et dans la laideur aussi. Plus mes chansons étaient idiotes, plus je me sentais laide et plus j'étais contente. J'éprouvais une sorte de mauvais plaisir à me détruire. À me détruire et à gâcher tout ce qui était beau. C'était ma façon à moi de désespérer. Raymond lui affirmera, tout était à faire. Les bras et les mains sont inertes ou répètent sans cesse le même geste. Le corps est raide, figé, sans vie. Elle écorche les mots et dénature les consonances les plus élémentaires.
Elle chante magnifiquement des phrases dont elle ne comprend pas le sens. Elle, il m'a appris à devenir un être humain. Il lui a fallu 3 ans pour me guérir. 3 ans de patience pour m'apprendre un autre monde que celui des putains et des souteneurs. 3 ans pour me désintoxiquer de Pigalle, de mon enfance chaotée, viciée, malheureuse. Lui, Edith, c'est la chair de ma chair. Je l'ai faite. J'ai accouché d'elle, souffrance comprise. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, quelle était belle! J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire quand le navire s'en va. Il emmenait avec lui la belle aux yeux si tendres. Il n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour. Ah, l'amour, ça fait pleurer, hein. Comme quoi l'existence. Ça vous donne toutes les chances, mais pour les reprendre après. Allez, venez, Milord. Vous avez l'air d'un monde. Laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milords qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Oh. Oh, mais vous pleurez, Milord. Ah, ben ça, j'aurais jamais cru. Voyons, Milord, allez, souriez-moi. Allez, mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. La, 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 la. Celle du lézard des ruines. Regardez son front de Bonaparte, ses yeux d'aveugle qui vient de retrouver la vue. Comment chantera-t-elle? Comment s'exprimera-t-elle? Comment sortira-t-elle de sa poitrine étroite les grandes plaintes de la nuit? Et voilà qu'elle chante, ou plutôt qu'à la mode du rossignol d'avril, elle essaie son chant d'amour.
Avez-vous entendu ce travail du rossignol? Il peine, il hésite, il racle, il s'étrangle, il s'élance et il retombe. Et soudain, il trouve, il vocalise, il bouleverse. Très vite, Édith Piaf, qui se tâte et qui tâte son public, a trouvé son chant. Et voilà qu'une voix qui sort des entrailles, une voix qui l'habite des pieds à la tête, déroule une haute vague de velours noir. Cette vague chaude nous submerge, nous traverse, pénètre en nous. Le tour est joué. Édith Piaf se dépasse. Elle dépasse ses chansons, elle en dépasse la musique et les paroles. Elle nous dépasse. L'âme de la rue pénètre dans toutes les chambres de la ville. Ce n'est plus Édith Piaf qui chante, c'est la pluie qui tombe, c'est le vent qui souffle, c'est le clair de lune qui met sa nappe. Peut-être bien qu'ailleurs, une femme a le cœur éperdu de bonheur, comme moi, et que d'un geste heureux, elle soulève un peu le rideau de soie bleue, comme moi, pour regarder en bas son amour qui viendra la prendre dans ses bras. Comme moi, elle attend son amour, les yeux de son amour, les bras de son amour. Peut-être bien aussi qu'à l'instant elle vit le meilleur de sa vie, comme moi, et qu'en fermant les yeux, elle abandonne un peu sa main dans ses cheveux, comme moi. Peut-être qu'à son cœur, elle épingle une fleur, et puis regarde l'heure, comme moi. Elle pense à son amour, aux yeux de son amour, aux bras de son amour, comme moi. Peut-être bien encore qu'elle entendra plus fort son cœur battre qu'alors, comme moi. Elle voudra crier en entendant monter un pas dans l'escalier. Comme moi dans l'instant où mon cœur en suspens se retient un moment contre toi et puis meurt mon amour dans tes yeux, mon amour dans tes bras. Enfant terrible, même fièvre, même force, même solitude, même sensibilité maladive. Cocteau est bouleversé par Édith. Il veut se lier d'amitié avec elle, l'entendre lui raconter sa vie, la voir bouger, l'effleurer. Tu es une petite fille de la rue, c'est-à-dire du plus grand des théâtres. Les poètes, pour vivre, doivent souvent mourir et dépenser non seulement le sang rouge du cœur, mais ce sang blanc de l'âme qu'ils répandent et qui permet de les suivre à la trace. Permets-moi de t'offrir cette phrase. Édith n'a plus Dieu que pour Cocteau. Il parle, parle encore. Paul me rend dingue, lui confie Édith. Jamais il ne me dit qu'il m'aime. Pourriez-vous m'expliquer? Peut-être ne s'aime-t-il pas à la mesure de tes rêves. Vous ne pouvez pas savoir, je lui dis que je l'aime, et lui, ce pisse froid, feuillette son journal, allongé sur son lit, comme si j'étais peau de balle.
Jean Cocteau l'écoute en dessinant ses éternelles étoiles sur la nappe en papier. Innocemment, il la pousse à se confier encore. Un jour, il téléphone à Edith. « Edith, viens chez moi, j'ai une pièce de théâtre à te donner. » Edith saute dans un taxi et se rend au 36 rue de Montpensier. Dans le salon au plafond bas, assis dans son fauteuil, Jean Cocteau lui lit « Le bel indifférent ». Mais c'est moi ! C'est mon histoire, ce truc-là ! Attendre, faire attendre chez toi, c'est de l'art, un supplice chinois. Tu connais tous les trucs, tous les moyens les plus épouvantables de faire du mal et de nuire. Ce que j'ai attendu, je compte jusqu'à 1000, jusqu'à 10 000, jusqu'à 100 000. Je compte mes pas entre la fenêtre et la porte. Je combine des calculs pour que mes pas comptent le double. Je mets un disque, je commence un livre et j'écoute. J'écoute avec toute ma peau comme les bêtes et quelquefois je n'y tiens plus et je téléphone. Je téléphone dans une de ces sales boîtes où tu traînes, où tu dois torturer d'autres femmes. Et tu viens toujours de partir. Jamais on ne sait où tu es parti. Et la dame du lavabo qui prend une voix de mère poule, une voix compatissante. Oh, celle-là, je la tuerai. Du reste, il est possible que je te tue. On suit des femmes qui ont tué leur amant pour moins que ça. Attendre, c'est à devenir folle et ce sont les folles qui tuent. Pourquoi je me tuerai? Je supporte pas de vivre sans toi, j'en suis certaine, mais que veux-tu? C'est un réflexe, regarde, je parle. D'autres que toi jetteraient leur journal, me répondraient, s'expliqueraient, on me giflerait. Toi non, tu lis ton journal ou tu fais semblant de le lire. Oh, je donnerais cher pour voir ta figure derrière ce journal. Figure de diable, une figure que j'adore et qui me donne envie de prendre un revolver et de te tirer dessus. Ça fera bientôt 3 années, 3 années qu'elle est internée. Oui, internée avec les fous, avec les fous. C'est à cause de ciel, elle a seulement, voilà, on ne la croit pas, mais un jour ça va éclater, la vérité. Alors comme elle en a assez de pleurer, de toutes ses forces, elle se met à crier. Mais puisque je vous dis que je suis pas folle, vous m'entendez? Je suis pas folle. Et à chaque fois, il y a des blouses blanches. Encore et toujours, ces blouses blanches. Elles lui disent, maman, vous n'êtes pas folle. Pas folle. Les blouses blanches. Elle aussi, elle en a eu une blouse blanche. Ah non, c'était une robe. Une petite robe blanche avec des fleurs. Il y avait du soleil tout autour des fleurs. Et dans sa main, il y avait une main. Une belle main avec des doigts qui chantaient, qui chantaient, qui chantaient. Oh, mais pourquoi il y a toutes ces blouses blanches? Ça fera bientôt 8 années. 8 années qu'elle est internée. Oui, internée avec les fous, avec les fous. Un grand trait sur les 8 années, tout comme si rien ne s'était passé. Une nuit, elle ira leur voler leurs 8 années. Tiens, voilà la main comme le jour de la blouse blanche. Mais pourquoi qu'elle a mis toutes ces blouses blanches? Non, parce que je vous dis que je suis pas folle, vous m'entendez? Je suis pas folle. Voyez bien que c'était vrai. Moi, je savais qu'elle reviendrait. La main, la belle main qui chantait, qui
chantait, qui riait. On s'aimera toujours, mon amour, mon amour, toujours, toujours, mon amour, mon amour, toujours. Y aller et sans masque, après on verra bien. C'est ce que je comprends de la violence de son chant. Une violence que le succès et l'âge n'ont jamais altérée. Mais pour assumer cette violence, il faut savoir ce qu'on dit, c'est-à-dire pourquoi on le dit ou on le chante, c'est pareil. Comme un acteur sur le plateau. À chaque mot, à chaque rythme, elle cherchait la pulsion organique d'elle-même qui lui permettrait de s'approprier l'écriture musicale et littéraire. Parce qu'elle avait bien compris, elle, que tout est dans l'écriture, c'est-à-dire dans le rythme organique du fond du corps. C'est du fond du corps que la parole surgit. C'est du fond du corps que la jouissance explose. Ce corps qui est l'âme, ce corps que l'on est. Arletty, qui n'aimait pas Piaf, croyait médire en affirmant que Piaf ne chantait pas avec le cœur, mais avec le bas-ventre. Comment le corps de l'acteur pourrait-il s'animer sans le bas-ventre? Et quel hommage lui rend-elle? Piaf était cet interprète vaginal, travaillant avec bouche, anus, sphincter. Ce sont les termes que revendique Valère Novarina pour tout acteur dans son théâtre des paroles. Et les acteurs savent que ce sont des termes concrets, que ce sont bien ces organes-là qui sont le plus sollicités sur le plateau. Vois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, ils se reculent et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse en chaîne, et l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées, et parfois soulevées, nos deux corps enlacés s'envolent, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et et la joie éclaboussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Et le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Entraîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe les poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Piaf, c'est le travail.
travail absolu. Elle aurait pu chanter le bottin. On connaît la chanson, même si elle est de Boris Vian. Non, Piaf n'aurait pas pu chanter le bottin. Piaf, selon certains, chante faux et selon d'autres, a valeur d'exemple à l'opéra. Simplement, Piaf sait ce qu'elle chante. Sait ce qu'elle dit, ou plutôt sait pourquoi elle chante et pourquoi elle dit. Ça n'est pas toujours intéressant ? Peut-être. Moi, j'aime toutes les chansons d'Edith Piaf à cause de ça. J'entends qu'elle sait pourquoi elle chante ce qu'elle chante. Piaf n'est pas derrière les mots. C'est pour ça qu'elle n'aurait pas pu chanter le bottin. Piaf est avec les mots. C'est avec tout son corps qu'Edith cherche ses mots. Elle veut des mots dans sa bouche tout le temps. Des mots pour faire durer l'instant. Elle est les mots. C'est fou ce qu'il me disait. Comme jolis mots d'amour, comme il les disait. Mais il ne s'est pas tué car malgré son amour, c'est lui qui m'a quitté sans dire. Il y en avait trop. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer. Si un jour tu partais, partais et me quittais pour toujours, c'est sûr que j'en mourrais d'amour. Mon amour, mon amour. On ne sait pas comment on aime. Je ne sais jamais. Pour le savoir un peu, on peut essayer de le dire un peu. Ça sert à ça, les mots d'amour. Essayer de comprendre un peu comment on aime. Qu'est-ce que c'est que ça, aimer? Qu'est-ce qu'il y a derrière? On nous dit un sentiment. On nous dit même un beau sentiment. Lacan lui dit qu'aimer, c'est vouloir donner ce que je n'ai pas à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est juste qu'on ne sait pas très bien d'où ça nous vient, parce que ça motive en nous. Alors pour chacun d'entre nous, on a les mots d'amour. Et voilà qu'aujourd'hui, ces mêmes mots d'amour, c'est moi qui les redis. C'est moi qui les redis avec autant d'amour. Un autre que lui, je dis des mots. Parce que des mots, il y en a tant qu'il y en a trop. C'est fou ce que je peux t'aimer. Et il n'y a que les mots, vides de tout sens. Les mots, je t'aime, je suis à toi, mon amour, je t'ai dans la peau, tu me fais bander. Oui, prince, je languis, je brûle pour t'aiser. C'est fou ce que je peux t'aimer. Sous le pont, on ira bon. Ces mots, ces pulsions organiques transformées en sons, bien loin des slogans publicitaires ou politiques, bien loin du langage articulé pour qu'il ne produise que du sens, bien loin de la sémantique officielle qui tente d'organiser et de cadenasser le monde, de l'organiser pour le cadenasser. Ces mots, ce langage, notre langage à chacun d'entre nous, celui de Piaf, qui sans cesse tente de restituer les mystères de l'être et de l'amour. Au fond, ce n'était pas toi, comme ce n'est même pas moi qui dis ces mots d'amour. Car chaque jour ta voix, ma voix ou d'autres voix, c'est la voix de l'amour qui dit des mots, encore des mots, toujours des mots, les mots d'amour. C'est fou ce que je peux t'aimer, mon amour. Amour, si jamais tu partais, c'est sûr que j'en mourrais. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer. Patron du bar, ça n'avance à rien. Elle est en retard, eh ben va jouer aux billes. Ça passe le temps et ça fait du bien.
Il met ses 20 balles dans la mécanique. Un éclic, les billes sont au garde à vous. La première bondit comme une hystérique. Ça cavale, ça sonne, ça s'allume partout. Ding ding, ça crépite comme une mitraillette. Ding, une bouche fait-il, ding, une bouche fleurie. Une pin-up s'éclaire des pieds à la tête. Au fond de la vitrine, en verre dépoli. 100 000, c'est le ballet des nombres magiques. 200, oh ding ding, la bille n'écoute pas. Elle glisse dans le couloir comme prise de panique. Zut, raté. 8 heures. De guetter la porte, dit le patron du bar. Faut pas s'énerver, vous êtes beau gosse. Elle, elle n'est pas morte. Une de perdue, 10 de retrouvée. Il remet 20 balles dans la mécanique. De ses doigts crispés, il tend le ressort. La bille sème partout des flashs électriques. Pas autant pourtant qu'il en a dans son corps. Ah, la sacrée carte, elle ira quand même. Reding-ding, ça y est, dans le trou des 500. Une partie à l'œil, il comprend le système. Et ding et reding, ça devient angoissant. Ding-ding, il secoue, il s'agrippe, il cogne. Ding comme si c'était, oh là, faudrait voir. Il va tout casser, dit le patron qui grogne. Zut, le jeu s'éteint. 9 heures, plus d'espoir. Il s'excuse, il s'en va livide, les nerfs détendus, mais le cœur si gros. Il va jouer ailleurs, dit le patron candide. Il va jouer ailleurs ou bien sous l'eau. Ding, 100 000, ding, ding, 200 000, 300, 400, 500 000, ding, 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 reding, ding, ding, ding. Cette tournée de la fin de l'année 1959 que toute la presse a nommée la tournée suicide d'Edith Piaf. Elle a oublié Rouen où elle a eu une syncope. Oublié cette sortie du 4 décembre à Maubeuge où, prise de malaise, elle a été obligée de chantonner cramponnée à son piano. Oublié toutes les villes qui, les unes après les autres, ont refusé de prendre des risques et ont annulé son tour de chant. Chaumont, Thionville, Nancy. Paris Jour titrait alors: Piaf souffre et refuse de capituler devant son mal. Le 12 décembre, à la salle des fêtes de Dreux, Loulou Barrier, son impresario, la supplie. Edith, par pitié, ne chantez pas aujourd'hui. Ce soir-là, pour la forcer à annuler la soirée, Robert Chevigny, son pianiste, refuse de l'accompagner. Piaf pleure comme un petit enfant. Et c'est tragique, déchirant. Je vous en supplie tous, laissez-moi chanter. Je mourrai si je ne chante pas, je vous en supplie, je n'ai plus que ça au monde. Derrière le rideau rouge, la salle qui ne sait pas ce qui se passe commence à gronder. Le programme a une demi-heure de retard. Alors Piaf, qui peut à peine parler, qui chancelle sur ses jambes, a repoussé tous ses amis, le docteur et son impresario. Comme on se suicide, elle s'est jetée au devant du rideau, elle a pris le micro, elle a ouvert les lèvres. Il a bien fallu que l'orchestre la suive. Les musiciens, religieusement, accompagnent ce spectre qui a du mal à suivre la musique. Une chanson, 2, 3, 7. Il portait des culottes, des bottes de moto. Après cette 8e chanson, elle s'écroule en coulisses. Dans toutes les rédactions, les journalistes réunissent la documentation nécessaire à une série d'articles nécrologiques. La mort d'Edith Piaf, quelle aubaine! Il portait des culottes, des bottes de moto.
un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos, sa moto qui filait comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait, les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur sa peau blême, et juste à l'intérieur on lisait « Maman, je t'aime ». Il avait une petite amie du nom de Marie-Lou, on la prenait en pitié, une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos, sa moto qui filait comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région. Marie-Lou, la pauvre fille, l'implora, le supplia, dis ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdus, les larmes pareillement, dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux, au passage à niveau ce fut comme un éclair de feu, contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, on trouva sa culotte, ses bottes de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Et plus rien de la moto, et plus rien de ce démon qui semait la terreur dans toute la région. Edith rôde son tour de chant avant de passer à l'Olympia. Elle a le trac. Il y a tant de mois qu'elle ne chante plus en public. La porte de sa loge s'ouvre et laisse passer, vision impressionnante, un petit bout de femme tordue comme un cep de vigne par d'impitoyables rhumatismes. C'est elle, Edith Piaf, avec cette voix d'orgue qui pourrait remplir des cathédrales. Elle peut à peine marcher. Ses omoplates saillent tragiquement sous le pullover bleu ciel. Elle porte une jupe rouge, des savates. La salle est fiévreuse. Les paris sont ouverts. Tiendra-t-elle le coup ou ne tiendra-t-elle pas le coup? Elle tient le coup, magistralement. Elle a renoué avec la vie. Elle est redevenue la grande Edith Piaf qui sait si bien exalter l'amour. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Le public trépigne, exulte. Des fleurs volent sur scène, c'est de la folie, du délire. Quelle chance que t'as d'avoir, Lucien, un vieux copain comme moi. Le public l'acclame. Quelle chance à Cocatrix d'avoir un vieux copain comme Edith. C'est le triomphe à l'Olympia. Derrière le rideau de scène, Bruno Cocatrix pleure. Edith l'a sauvé financièrement. Elle a sauvé l'Olympia, le temple de la chanson française. Quelle chance que t'as d'avoir, Lucien, un vieux copain comme moi. Janvier, février, mars, tous les soirs, Edith se dépense, déchire ses entrailles à chaque chanson. Elle tient debout à force de piqûres. Il faut la porter de sa loge à la scène, et là elle oublie tout pour chanter l'amour, la passion, celle des suppliciés. Quelle chance que t'as d'avoir, Lucien, un vieux copain comme moi. Moi qui me connais, j'aime rigoler, m'amuser, pas vrai? Alors ce soir, histoire de rire, et tu peux me croire sans réfléchir, comme ça pour voir et sans prévenir, j'ai dit au copain, on va chez Lucien. Quelle chance que t'as d'avoir, Lucien, un vieux copain comme moi. Tu peux te vanter lorsque j'y pense d'avoir la chance, tu sais. Mais tu ne dis rien, tu me laisses parler, je te connais bien, tu me fais marcher. Mais non, ça va, tu peux y aller, mais maintenant ça va. Et dis-moi pourquoi tu fais cette tête-là, comme ça. Mais regarde-moi. Oh, t'as les yeux gonflés. Je t'ai réveillée. Non, t'écrivais à ta bien-aimée. Ben, qu'est-ce que tu caches là? Oui, là, dans ton tiroir. Eh ben quoi? Fais voir! Ben, tu voulais me faire peur. Est-ce que t'es blagueur? Quelle chance que t'as d'avoir, Lucien, un vieux copain comme moi.
Moi je te connais mieux que personne. C'est ce qui t'étonne, pas vrai? Un autre que moi ne comprendrait pas. Mais moi je devine, puis tu me taquines. Tu veux peut-être finir ta lettre. Je vais le dire aux copains et puis tu nous rejoins. Quelle chance que t'as, c'est pas pour dire que j'aime bien rire, crois-moi. Un autre que moi aurait mangé à ton ciné, pas moi. Allez, au revoir, à tout à l'heure. Allez, tu bosses, et sacré farceur. Mais non, bien sûr que j'ai pas peur. Toi, y a pas de danger de te voir un jour souffrir et mourir d'amour. Ben quoi, Lucien? Allez, donne-moi ce que t'as là dans la main. Parce que c'est agréable, hein, d'être ton copain, Lucien, allons. Allez, arrête. Lucien, allez, viens. J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père rentre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi, je suis malade, je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter dans la nuit. Quand je m'endors, belle, c'est par une engaine. Tout mon corps est glacé par des cris. Des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui montent et viennent, puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des ombres qui se promènent. Et je tremble et j'ai peur et j'ai froid. Mon père m'a dit un jour, la fille, tu vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça, ça c'est de famille. Faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie. Tu n'auras qu'à sortir le soir. Il y a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner dans la nuit. Quand je m'endors, belle, c'est par une rengaine. Je suis soudain réveillé par des cris. Coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont et viennent, puis ce silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent et je tremble et j'ai froid et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres s'y prennent, mais j'ai pas su trouver de clients. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. J'ai pourtant pas beaucoup d'audace maintenant. Maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène.
On m'entend sangloter dans la nuit. Quand le vent jette au ciel sa rengaine, tout mon corps est glacé par la pluie. Mais j'en peux plus, il faut que ça cesse, que le bon Dieu vienne pour m'emmener me réchauffer tout près de lui. Oh, dans ma rue, il y a des anges qui m'emmènent pour toujours. Mon cauchemar est fini. Consumé par un feu qui lui vaut sa gloire. Je n'ai jamais connu d'être moins économe de son âme. Elle ne la dépensait pas, elle la prodiguait. Elle en jetait l'or par les fenêtres. Je lui avais écrit en 1940 un acte de théâtre. Comme tous ceux qui vivent de courage, elle m'avait téléphoné qu'elle voulait le reprendre en octobre. Elle n'envisageait pas la mort. Et même, il lui arrivait parfois de la vaincre. Seulement sa voix nous reste. Une haute voix de velours noir magnifiant ce qu'elle chante. Mais si cette grande voix nous reste, c'est hélas une grande amie que je perds. Jean Cocteau. T'avais un nom d'oiseau et tu chantais comme 100, comme 110 000 oiseaux qu'aurait la gorge en sang à force de gueuler, gueuler même des conneries. Mais avec quelle allure, t'étais un con de génie. T'étais un con de génie. T'avais un nom d'oiseau et la voix d'Attila. On t'entendait d'ici, on t'écoutait de là-bas. T'étais à toi toute seule le bal des petits lits noirs. Un Wagner de carrefour, un Bayreuth de trottoir. Un Bayreuth de trottoir. Et y avait dans tes mains comme une bénédiction. Et comme tu t'en servais pour bénir tous ces cons gentils émus qu'on appelle les gens, qui devenant public deviennent intelligents. Deviennent intelligents. Ah, c'est pas toujours le cas. Bien sûr, même à Paris, les auteurs de la merde, il faut que ça mange aussi. Toi, tu t'es débrouillé pour passer au travers. T'aurais chanté François comme de l'Apollinaire. Comme de l'Apollinaire. On t'a pas remplacé, bien qu'on ait mis le paquet. Le pognon et ton ombre, ça peut pas s'expliquer. Sous les projets miracles et sous la lampe à arc, quoi que fasse et que pense et que dise Monsieur Stark. Et que dise Monsieur Stark. Arrêtez! Arrêtez la musique. Alors,
On va en faire une dernière pour la route, mais juste une, hein, juste une. Et puis, ben, on va prendre un pot ensemble après, c'est sympa aussi, n'est-ce pas? Et puis, bon, donc on a deux disques qu'on avait réalisés avec Sébastien et Gilles sur Léo Ferré, qui sont là en vente si vous voulez regarder et soutenir un peu notre travail. En tout cas, je vous remercie vraiment d'être là. Merci. Merci.